Alors, notre président avait dit l'année dernière, nous sommes en guerre. Est-ce que le management de transition, les managers de transition, est-ce que eux, ils sont en guerre? Alors, je voudrais être très clair. Nous, en ce qui concerne cet objectif cash, on n'a jamais été en guerre avec qui que ce soit. Et quand on nous confie une mission, on réalise toujours les missions avec les équipes internes du client. Toujours en osmose avec les équipes internes, dans ce fameux côte à côte qu'on a décrit à plusieurs reprises, et jamais contre. Pour que la mayonnaise prenne, il faut qu'on soit capable d'expliquer au management interne de la société ou de la participation quels sont les bénéfices qu'ils vont tirer de la mise en place de telle nouvelle organisation, de tel nouveau format de reporting ou de tel nouveau système d'information. Donc nous, chez Objectif Cash, on n'est jamais en conflit avec les personnes, c'est toujours avec l'équipe interne. Évidemment, on n'est pas naïf, on donne la chance aux personnes en interne pour qu'elles soient capables de franchir le cap, de faire ce saut qualitatif et qu'on le fasse ensemble, mais on est là pour aider les personnes en interne à travailler mieux et à regagner de la fierté dans leurs tâches qui tournent autour de la compta, du reporting ou de la trésorerie. Donc oui, je répète, chez Objectif Cash, nous ne sommes pas en guerre, nous travaillons avec les clients, en bonne intelligence avec les équipes du client.